Le nouvel essai de tir d'un missile balistique par la Corée du Nord ce dimanche provoque l'inquiétude des pays voisins dans la région. La Corée du Sud, qui parle du plus puissant missile lancé par Pyongyang depuis 2017, estime que le Nord pourrait bientôt mettre à exécution sa menace de reprendre ses essais nucléaires ou de missiles balistiques intercontinentaux. Le Japon a lui aussi réagi par la voix de son porte-parole. Certaines activités de la Corée du Nord, notamment les tirs de missiles balistiques, constituent une grande menace pour la paix de notre nation, de la région et de la communauté internationale. Le tir d'un tel missile balistique de haute intensité viole les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et nous avons vivement protesté auprès de la Corée du Nord. Le 20 janvier dernier, le régime nord-coréen a menacé de reprendre ses essais nucléaires ou de missiles. Il s'y est dit contraint par la politique hostile des États-Unis à son égard. Cet essai d'armement de ce dimanche est le 7e mené par le régime de Pyongyang depuis le début de l'année. La multiplication de ces essais d'armement survient à un moment où l'économie nord-coréenne est notamment mise à mal par les sanctions internationales et par quasiment 2 années de fermeture des frontières au nom de la lutte contre le Covid-19.